again. L'année dernière, j'ai eu en effet la chance de participer à cette aventure du Grand Secret du Lien. Ce qu'on en a tiré, premièrement, c'est que le processus de la connexion à la nature peut devenir l'objet d'un projet éducatif en tant que tel. Ensuite, je crois qu'on a bien identifié le cheminement du processus de la connexion à la nature. On était accompagné par des pédagogues de la perception qui nous ont aidés à augmenter nos pratiques pédagogiques d'animateur nature, et on a identifié des phases, différentes phases par lesquelles un individu passe et développe sa connexion à la nature. L'intérêt d'avoir travaillé avec des pédagogues de la perception, c'est qu'ils sont spécialisés dans la manière de développer nos capacités attentionnelles. Or, il semblerait bien que nous souffrions collectivement d'une défaillance de notre attention que l'on dirige vers la nature. On est capable aujourd'hui, dit Louis Espinasso, de traverser une forêt sans que la forêt ne nous traverse. Et donc, nous avons porté nos efforts sur la manière d'aider un enfant, par exemple, à développer toute son attention au service de sa perception. Bah aujourd'hui, on peut penser, en effet, que se reconnecter à la nature favorise la transition écologique, ou en tout cas met un individu en aptitude, en empathie par rapport à la planète, et il semblerait bien que ce soit une condition première pour être capable de recevoir des messages dits du développement durable ou des messages conduisant à la transition écologique. En recherchant la connexion à la nature, en rendant les gens beaucoup plus empathiques et sensibles à la nature et au monde qui les entoure, on pense que on touche les ressorts qui sont capables de faire changer les gens. Aujourd'hui, on le sait bien, on a une grande résistance au changement, d'une part, et dans les années qui viennent de s'écouler, les messages qu'on a adressés au public s'adressaient à notre cerveau, à notre intellect, à notre raison. Or, les ressorts du changement chez un individu, ils sont plutôt émotionnel et sensible. Et justement, là, dans les processus qu'on a essayé de mettre en place auprès des enfants et des jeunes pendant le Grand Secret du Lien, était tout d'abord d'ouvrir leur capacité attentionnelle, mais deuxièmement, de s'appuyer sur des expériences de nature. Et des expériences de nature qu'on s'était forcé de rendre conscientes pour que ces enfants et ces jeunes identifient l'effet de la nature sur leur propre personne. Donc, le fait de conscientiser, puis, dans un troisième temps, de le verbaliser, oblige la personne à rendre consciente les effets de la nature et à rendre consciente les changements qui s'opèrent dans notre propre personnalité. Mais pour cela, il faut, si je résume, réunir la chaîne perception, expérience conscientisée et expression des ressentis. Nous avons, me semble-t-il, exploré de manière assez approfondie le sensible pour développer la relation entre l'individu et la nature. Mais nous sommes plutôt persuadés que ce n'est pas suffisant. Le sensible est nécessaire, mais il faut aussi développer la connaissance.
Le fait de développer sa connaissance est un mode de connexion à la nature. C'est un moyen de se relier au monde. C'est en nommant les choses que l'on se relie au monde. Mais pas n'importe quelle connaissance. Et pas de n'importe quelle manière. Nous aurions une nette préférence pour la connaissance qui touche l'individu, qui le transforme. Alors ça passe aussi par l'expérience de nature, évidemment. Ce que je touche me touche. Mais il faut réussir à cultiver en quelque sorte l'individu pour que nous devenions des êtres cultivés de nature avec, oui c'est vrai, de la connaissance ou je dirais même un faisceau de connaissances. Et pour prendre un exemple, connaître une fleur ou un animal, un insecte, une araignée, c'est aussi bien avoir un ressenti parce que on l'a manipulé, ça sent bon ou au contraire, au toucher c'est bizarre, mais c'est aussi connaître sa place dans la classification, mais c'est aussi connaître les histoires merveilleuses qui tournent autour, mais c'est aussi peut-être avoir cultivé cette fleur ou avoir pris dans sa main cette araignée, ou savoir que les araignées dans la mythologie. Je veux dire par là que la connaissance de la nature doit être multiple, être une connaissance qui sert et une connaissance qui touche. On ferait même par là l'hypothèse d'une connaissance intime. La connaissance qui entre en moi, qui me construit, qui me transforme, voire qui me fait du bien. J'ajouterais que, par exemple, dans les clubs CPN, on sait très bien, pour être les enfants de la hulotte, qu'apprendre des connaissances sur la nature, la découvrir, devenir cultivé de nature, c'est source de plaisir. Et pourquoi se couperait-on de ce plaisir d'apprendre, ce plaisir de devenir plus cultivé et de connaître la nature qui nous entoure ?